à la TUC, où j'ai commencé sur un petit neutrou, il y avait un professionnel qui a pu me transmettre sa passion pour le golf, Jean-Marie Laforge. Le golf, pour moi, c'est une thérapie, c'est ma passion, c'est ma profession, et je suis tellement, tellement heureuse qu'un homme, quand j'avais 14 ans, a pu me partager sa passion. Je me rappellerai toujours à la TUC, sur la petite galerie où les juniors avaient droit de s'installer, le plaisir qu'on a eu, garçons et filles, tous ensemble. Alors, j'ai passé une adolescence merveilleuse sur un terrain de golf. Alors, oui, c'est pas un sport facile, mais il faut regarder tout ce que le golf nous apporte. J'ai commencé à faire de la compétition à 16 ans et j'ai compétitionné longtemps. J'ai adoré ça. Puis c'est grâce à les organismes et les bénévoles que j'ai pu faire de la compétition au niveau provincial, national et international. J'avais vraiment la passion pour ce magnifique sport qui m'a aidé à développer comme être humain. C'est à ce moment-là que je suis devenue professionnelle de golf. J'ai le plaisir à dire que je ne peux pas avoir un meilleur métier ou une meilleure profession. Toutes les femmes qui adorent le golf devraient regarder l'option, quand elles sont jeunes, de faire une profession au golf. Parce que sincèrement, mon bureau, c'est ça, je suis dehors, j'adore les gens. J'ai l'opportunité à tous les jours de rendre la vie des golfeurs plus agréable. Ma plus grande fierté, c'est avoir représenté le Canada au niveau international. La sensation qu'on ressent quand on représente notre pays, notre province, notre région, notre ville, on ne peut pas le décrire. Alors, cette sensation-là, quand tu es dans les cérémonies d'ouverture, avec tu représentes un peuple entier, ça, c'est vraiment, vraiment une grande fierté pour moi. Jouer au golf avec mes enfants puis mon mari, pour moi, ces journées-là sont aussi importantes que quand je gagne à des tournois. Alors, je suis juste heureuse au golf. J'adore le golf. Cette passion-là, elle ne s'éteint pas.